Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du lourd, l'ouverture des portes de niveau 5, une guerre impitoyable sur les royaumes coréens comme vous allez le voir. On a tenté de bien se démener et bien de se placer pour enfin vous montrer des vidéos de guerre. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous pouvez pas le rater, aucune excuse par toutes les infos en avance et tout ce qui se passe sur les vidéos, vous le retrouvez sur le Discord. Avant de parler gros fight les amis, regardons au niveau des paris de la Ligue Osiris. Alors, tout n'est pas encore fini au moment du record. Il y a des défaites, il y a des victoires. Mais je tiens à rappeler quelque chose à tout le monde puisque j'en discute beaucoup sur le chat des pronos justement avec vous. Ce qui compte sur les pronostics, ce n'est pas tellement de faire un gros coup, mais c'est de gagner plus que ce qu'on perd jusqu'à ce qu'on fasse un gros coup qui nous semble plutôt évident. À chaque saison, c'est la même chose. Hein. On a toujours un gros coup en attente de ceux qui nous permettent de juste vivre. Regardez là, par exemple, si vous regardez au niveau du tableau, je vous montre, il y a pas mal de défaites, mais une grosse victoire. Hein. Un 6,9 en coefficient, donc forcément, c'est rentable. Si on prend le cumul de tous les matchs perdus et le cumul des matchs gagnés, on a gagné plus qu'on ce qu'on a perdu. J'y reviendrai bien évidemment sur la vidéo des pronos vendredi. Vendredi, chaque pronostic. Mais soyez certains qu'à la fin, on videra le store. Comme à chaque fois, le but est vraiment de parier de manière large afin de toujours générer un petit peu plus de profit. Et à un moment, on lâche un gros coup et on se blinde. Ça a été comme ça pendant 5 saisons. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'arrivent pas à le faire? C'est simple. À un moment, ils trouvent qu'on perd trop ou qu'on ne gagne pas suffisamment et du coup, ils arrêtent de suivre les pronos. Faites comme bon vous semble les amis, mais sachez que tous ceux qui ont toujours suivi à la lettre jusqu'au bout les pronos ont toujours vidé le store. Parlons à présent qu'avec qui on y reviendra sur les paris vendredi de cette semaine, bien évidemment, comme d'habitude, jusqu'à la fin de la Ligue Osiris. Allez, je vous fais un petit flashback, je vous ai fait des rushs et on va montrer la situation à l'heure du record. Petit flashback sur l'ouverture des portes de niveau 5 sur mon royaume. Je vous le rappelle, je suis face au 1960, un très très gros royaume, les 60 GT, sans doute l'un des meilleurs royaumes actuels. Petit record à 4 minutes de l'ouverture des portes. Quelles étaient la mobilisation tant sur mon royaume que sur les autres? Eh bien, vous allez le voir, on était plutôt mobilisé sans que ce soit oufissime. C'était pas mal du tout. Regardez, je vous montre la mobilisation face à nous. Après, on va passer à des séquences de combat accélérées. Je vous ai mis en 250 pour pas que ça soit trop long. Regardez en face de nous, ils étaient encore plus mobilisés que nous, hein, donc très très motivés. La 2, c'était leur première porte. Hein. La deuxième porte sur le côté, je me suis dit, il n'y aura personne. Eh bien non, ils étaient aussi relativement mobilisés, même bien mobilisés. C'est-à-dire sur cette porte-là, ils sont autant que nous sur la première porte. Du coup, je suis retourné voir notre deuxième porte. Je me suis dit, hey, est-ce qu'on est blindé sur la deuxième porte? Non, on était léger sur la deuxième porte. Hein. J'utilise le passé parce que bien évidemment, c'est un événement qui avait lieu hier, déjà il y a plus de 24 heures. Regardons en face au niveau des 60 GT. Les 60 GT, quelles étaient leur mobilisation? Eh bien, les 60 GT hein, étaient détentes, n'étaient pas si nombreux que ça. Cette première porte, il n'y avait personne. On n'était pas sur la bonne porte là, c'est celle-là. Sur cette première porte-là, il n'y avait pas grand monde du côté des 60 GT. La deuxième porte, hein, un petit peu plus, mais pas oufissime non plus. Hein. Ils sont moins que nous, par exemple. Mais sauf que c'est tous des guerriers au maximum. Ils ont tout à fond sur cette porte qui ouvrait à présent dans 2 minutes 30. En face de nos alliés, qu'est-ce que ça allait donner? Eh bien, eux, ils étaient bien mobilisés, bien présents, bien là sur cette première porte. Hein. Regardons la deuxième porte. Eh bien, sur la deuxième porte, ils étaient pas mal aussi. C'était beaucoup moins que la première, mais pas mal du tout. C'était les seuls deux fronts. Ailleurs, c'était vide.
Donc, on était plutôt bien là, et vous avez vu hein, les balises, on a déjà le tracé des flags qui sont à faire pour mon alliance. On était prêt. Je vais vous faire une ellipse, on se retrouve juste avant l'ouverture de la porte. Hein. On a été les premiers à la prendre. Dès qu'on l'a pris, on peut rentrer. Regardez, hein. J'ai claqué les TP aléatoires pour bien me placer. À un moment, je vais réussir. Alors là, j'en claque plein. Je suis à bêta faux, mais c'est pas satisfaisant. Vous allez voir. Je vais en claquer une quarantaine. Regardez, là, je suis très bien, très proche de la porte, etc. Mais on nous a demandé sur le Discord de ne pas être trop près de la porte. Du coup, je suis obligé de reculer, mais j'étais quand même bien. Donc j'avais un petit peu de somme, vous avez vu, hein, j'ai hésité avant de me re-TP. En fait, je cherchais à être sur la ligne des drapeaux. Encore une fois, je serais resté entre les deux portes. J'étais très bien pour faire du gros score. Mais comme on nous a demandé de ne pas être sur le front, eh bien, je m'exécute, je suis les règles et je recule. Et j'essaye de me trouver, de me situer bien sur une bonne branche. Vous voyez, je suis pas le seul à me TP aléatoirement. Hein. J'en croise d'autres qui TP et qui tombent sur les mêmes zones que moi. Il va me falloir, voyez, là c'était pas mal aussi, hein, mais un petit peu loin. Il va me falloir une quarantaine de TP au final pour arriver à une destination satisfaisante. Alors en 2 x 20, j'en ai claqué d'abord une première fois 20, j'étais à 80 en commençant. Vous voyez, je suis déjà plus qu'à 66, 64 à présent. J'étais à 80 en commençant. Je vais atterrir autour des 60 sur le premier tour et après j'en reclaque. Comment je fais pour savoir que c'est pas le bon endroit immédiatement? Bah c'est simple, hein. Il y a une zone de drapeau, donc je sais que je suis pas au bon endroit. Voilà. Là, je me suis dit, bah je suis pas mal, je suis ni trop loin ni trop près, donc je suis les règles et je suis pas mal. Bon, je claque tous mes buffs évidemment. J'utilise le buff d'expansion 50%, j'utilise le buff de défense plus 10% et j'envoie toutes mes troupes, mon Scipio, mon Guan. Alors ma Boadice avec YG. C'est pas ce qu'il y a de mieux, j'aurais préféré l'avoir avec une Nabucodonosor par exemple, mais je ne l'ai pas expertisé. Donc du coup, le meilleur binôme que j'ai, c'est avec YG. Je n'envoie que 4 binômes parce que je ne suis pas encore pleinement satisfait de mon cinquième binôme. Et je vais direct au combat. Le but pour nous sur cette phase est très simple. Hein. Regardez, hein, ils viennent tout juste de prendre la porte. Le but pour nous, il est super simple. Les empêcher d'avancer au maximum. On va voir si cette technique va marcher ou si elle a marché, puisque je vais vous montrer après tous ces rushs hein, la situation en live hein, où on en est sur mon KVK. Mais le but est de les empêcher d'avancer, donc, et donc nous de leur mettre la pression. On a des consignes avec elles, toutes les balises en coréen, il suffit de les traduire hein, et de les empêcher vraiment. C'est pour ça que je vais au front. Alors, oui, ça va vite, hein, mais encore une fois, on est en vitesse 250, ça va 2 fois plus vite que la normale. On se plage tous, on avance tous. Alors, il y a des oufs hein, comme Vez Viper Kevin hein, qui ont tenté de rester au front. Ils ont pris direct, on va peut-être la voir hein, dans les rushs. Ils ont pris direct une balise et on leur a dit reste sous shield et dégage, remets-toi sur le territoire. Un coup de pression direct hein, sur les serveurs coréens. Il faut suivre les règles hein, et suivre ce qui a été décidé dans la stratégie hein, au risque de se faire direct éclater. Vous le voyez là, hein, ils viennent que de prendre la porte et ça leur fait du retard hein, puisqu'ils ont à peine pris la porte qu'on est déjà là devant à les attendre et à essayer de les empêcher d'avancer. Encore une fois, la stratégie est simple, ce n'est pas tellement de les éclater totalement. Le but, bah, si on pouvait, on le ferait évidemment. Le but est de les ralentir au maximum, d'où l'intérêt pour nous de prendre la porte. Vous voyez là, je sors du territoire pour pas prendre les foudres et qu'ils me roulent dessus. Le but est de les ralentir au maximum pour nous avancer rapidement avec artisan compétent, hein, le buff qui augmente de 400% la vitesse de construction des flags et les empêcher d'avancer. Vous avez vu, hein, mes binômes, c'est exactement ce que je vous dis dans toutes les vidéos. Donc, il n'y a pas de surprise, j'applique les conseils que je vous donne au niveau des binômes à mettre. On va le passer une séquence, je vais faire une nouvelle ellipse hein, sur cette zone de fight où on les a bien tenus. Et vous allez voir, on les a même repoussés là sur cette zone-là. On est sur une très grosse zone de fight, hein, comme vous le voyez. Alors, vous allez me dire, ouais, ça lag pas trop, dis donc, sur quoi t'es? Alors, effectivement, je suis sur iPad Pro 12,9 pouces 2020. On ne peut pas faire aussi précis. Le nouvel iPad Pro 2022, voire 2023, n'est pas encore disponible. Donc, c'est la dernière version d'iPad Pro. Ça ne lag pas trop. Vous le voyez, j'ai dû activer les graphismes diminués.
sans les graphismes diminués, ça lag un petit peu. Donc là, je rejoins le rallye, on avance, hein, on est bien là. Alors mes troupes, alors ça me saoule hein, que les troupes repartent. C'est assez simple, il faut ne pas oublier de rappeler ses troupes et de faire le yo-yo. Là, c'est assez chiant, je dois bien le reconnaître, mais si vous voulez un bon ratio en termes de kill point hein, et de troupes à soigner dans l'hôpital, faut faire le yo-yo, essayer d'attraper les fuyards, ne pas jouer le jeu, éviter dans le lag de s'enfoncer trop sur leur territoire, sinon forcément vous allez vous faire péter la bouche. Et c'est pas le but hein, de blinder son hôpital et de claquer tous ses accélérateurs. Donc vous le voyez, là j'avance, vous voyez mon Edouard il est éclaté, mais j'ai sorti un Edouard, c'est juste pour remplir le rallye et attaquer la forteresse. Vu là où on se situe, vu comme on est haut et qu'on les tient bien haut sur leur territoire, forcément la forteresse, hein, il y a de fortes chances qu'on l'éclate s'ils ne peuvent pas la renforcer. Nous, on pourra renforcer notre allié et donc on va les éclater. Vous le voyez, voyez toutes mes troupes là au milieu. Je ne suis pas trop en avant, hein. Je ne vais pas sur leur territoire. Je tâche d'attraper ceux qui sont dans la masse, dans la foule, tout simplement pour avoir le meilleur ratio au niveau des rapports. Si j'avance trop, je vais me faire éclater et je vais blinder mon hôpital. C'est pour ça que j'enchaîne les victoires, j'enchaîne les commandants qu'on éclate. Mais malgré tout, hein, je ne fais pas un score de ouf en nombre de points hein, pour faire vraiment un nombre de kill points. Je vous montrerai mes kill points là. On est 24 heures après l'ouverture des portes. J'ai pas pu beaucoup jouer ce week-end pour des raisons personnelles. Mais malgré tout, on les a bien éclatés. Alors regardez, on attaque leur forteresse. Ils peuvent pas la renforcer. En défense, ils ont Zenobia YSS. En phase 2, ils ont une Boadicée Henri V. Donc forcément, regardez, moins 1,5 contre moins 4,7 millions. Donc forcément, on a un ratio de x4. On leur a éclaté la bouche. Leur forteresse, c'est fini. Elle n'aura pas duré. On va pouvoir continuer d'avancer et pouvoir continuer de leur éclater tranquillement la bouche. Sachant que le but va être de les repousser totalement jusqu'à chez eux. On va faire une nouvelle ellipse les amis et je vais vous montrer après par la suite hein, où on en est de cette situation qui n'est pas forcément une situation hein, des plus évidentes. C'est une situation un petit peu tendue, un petit peu complexe, mais on arrive à avancer. Regardez, en plein combat je vous fais une nouvelle ellipse et on se retrouve un petit peu plus loin, un petit peu plus tard après l'ouverture des portes. Vous voyez, on est passé de la nuit au jour déjà. Et regardez, le but est pour moi de bien me placer. Là, je suis dans une stade où on les avait repoussés jusqu'à leur porte. Je suis pas mal là en emplacement. Hein. Je suis vraiment bien. J'étais content de l'emplacement que j'avais trouvé. J'ai dû faire le forcing pour avoir cet emplacement. Le but est de blinder les rallyes et de bien avancer sur l'open field. Bien évidemment, j'attaque un petit peu à tout va. J'ai lancé un rallye sur une ville. Il y a un rallye sur les flaques qui va avancer. De leur côté aussi, ils viennent. Ils ont bien réussi à maintenir et renforcer leur position. Donc, je vois celui sur qui j'ai lancé le rallye. Et bien, du coup, il s'est barré. Il s'est re-TP. Je me suis dit, au cas où le mec, il a eu une absence, une déconnexion, on aurait pu le rallye. Mais non, il s'est TP. Du coup, et bien, il va falloir annuler le rallye et on va se repositionner sur l'open field. Et donc j'envoie mes troupes pour les empêcher d'avancer et surtout gagner le match sur le terrain. Puisque si on veut que notre flag soit posée, il va falloir faire le job autour pour pouvoir le renforcer, être tranquille et pas manger des gros rallyes qui vont nous péter la bouche. Et là sur cette phase de jeu, c'était eux qui menaient la danse, notamment au niveau des rallyes. Et on va pas se laisser faire, bien évidemment hein. On va aller et tenter du moins de les éclater tranquillement, proprement, avec des petits rallyes des familles. Donc on va se retrouver à la situation, bon évidemment je dois soigner, sinon je vais me retrouver avec masse mort. On va se retrouver à la situation maintenant où on en est. Alors vous voyez déjà au niveau de la stratégie et du placement, vous le voyez, moi quand on est sur ce genre de découpe comme ça, hein, on est là à l'instant T, quand on est sur ce genre de découpe, il y a des troupes ennemies au nord, mais au sud aussi, là le terrain violet est à nous. Et on a des villes qui sont là, qui lancent des rallyes sur cette zone-là et sur la zone au nord. Si je me mets sur les zones de front là, eh bien cet abruti de commandant, quand je vais lancer une attaque, il va traverser le terrain là et je vais me faire dépouiller. Du coup, je me mets un petit peu derrière, je me mets un petit peu là, ici. Comme ça, quand des rallyes au nord arrivent, je passe par le nord. Quand des rallyes au sud arrivent, je passe par le sud. Et je ne traverse jamais le territoire ennemi, sauf pour revenir. Ça m'évite déjà d'avoir des morts pour rien.
malgré mon faible temps de connexion sur ce week-end, encore une fois dû à des raisons personnelles, j'ai quand même pu faire quelques morts, j'ai quand même pu faire un score, je dois être à 2 millions 2, 2 millions 3, je compte bien éclater ce score dans les heures qui viennent, puisque là, je vais pouvoir jouer à fond, on est à 2 millions 2, j'espère atteindre les 5 millions rapidement, puis les 10 plus les 15. Je ne sais pas si j'arriverai à atteindre les 20 millions, mais si je peux faire déjà les 30 millions, pardon, si je peux faire les 15-20 millions, ce serait pas mal. Donc voilà, sur le front, ma technique sur pour remplir les rallyes. On regarde des placements, regardez. Là, ils ont réussi à sortir, mais pas de ouf non plus, hein. Ils sont bloqués ici et ça brûle pas mal ici pour eux. Le flag brûle. La forteresse brûle et malgré notre mobilisation à l'ouverture qui était moindre, on a réussi à les repousser. Donc du gros gros fight. Sur cette zone-là, eh bien en revanche, ils tiennent bien. On n'arrive pas à les éclater. Ça a brûlé, mais ça ne brûle plus. Hein. On est bien, mais ils sont très bien eux aussi là. Ils tiennent tranquillement. Leur flag ne brûle plus. Les nôtres, bien évidemment, ne brûlent pas non plus. En revanche, regardez, ce qui est intéressant à voir. On les a bloqués au sud et là, ça ne brûle de nouveau plus. Ce qui est intéressant à voir, c'est plusieurs. Là, en revanche, leur drapeau, il brûle. Ce qui est intéressant à voir, c'est de notre côté. Ils ont tenté une percée pendant qu'on était au sud. Ils ont tenté de percer et de sortir ici. Hein. Ils ont tenté un petit move, mais on est en train de le contenir et de leur péter la bouche. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir ou pas? Bon, je pense qu'on va les éclater et on sera tranquille. Voyons à présent. Donc, on domine plutôt pour le moment et j'espère encore une fois renforcer bien, bien grandement mon score. Au sud, comment ça se passe? Regardez déjà. Bienvenue, les amis, sur Rise of Fortress. Regardez, là, c'est vraiment n'importe quoi. Nos alliés ont posé masse forteresse justement pour éviter aux 1960, aux 60 GT et aux 60 MX, et ça a brûlé hein, au passage, d'avancer. Effectivement, forcément, ça brûle quand même, mais nos alliés posent un max de forteresses. Ils ont raison, faut gagner du temps, faut jouer la montre, poser des forteresses partout, les amis. Tant que vous avez des forteresses, vous serez tranquille pour au moins 2 jours, hein, 1 jour et demi, 2 jours. Ça brûle, hein, ça brûle pas mal. Le 60 GT est un vrai bulldozer, mais à part ce front-là, il n'y a rien d'autre. Mais ça tient, pour le moment, ça tient. Et c'est tant mieux que ça se passe comme ça. Parce que nous aussi, on arrive à avancer. Donc notre objectif va être simple, hein. Il va être rapport de guerre. Regardons, il va être rien d'intéressant. Il va être d'enfermer évidemment au niveau des portes nos adversaires pour être tranquille. Au niveau des rapports, je vous en ai mis quelques-uns en favoris. Alors des rapports classiques, hein, où on a du moins 1,9 million pour nous de puissance et moins 3,4 en défense. Attaque, Boadicea, Henri V. Défense, Aetius Scipion. Alors c'est sûr, Aetius Scipion, il se fait totalement ouvrir en deux par Boadicea, Henri V. Hein. Des rapports un petit peu plus violents encore, regardez. Hein. 123 000 de pertes d'un côté, de l'autre, 1,9 million. Alors là, ils se sont fait ouvrir en deux. Bertrand Nevsky éclate, hein. Alexandre Charles, je ne sais pas pourquoi les mecs ont fait ça. Hein. Franchement, déjà, un, en termes de volume de troupes, il n'y a pas photo. Et deux, en termes de commandants, forcément, ils allaient se faire ouvrir. Après, je vous ai mis des petits rapports où les ratios sont très nettement en ma faveur. Hein, des Xianiu-Nevsky face à un autre Xianiu-Nevsky. J'ai beau avoir beaucoup moins de troupes, regardez, 244 contre 307 000. L'autre en face, je ne sais pas quel est son stuff, hein, G41, G suprême. Mais en tout cas, je lui éclate la tête tranquillement dessus. Pareil hein, sur GG suprême, le pauvre, il se fait totalement ouvrir en deux. Là, une forteresse, hein, moins 1,5 pour nous, moins 4,7. Donc clairement, on a les rapports en leur faveur. Et pour ceux qui se poseraient la question, alors là, le dernier, il n'est pas du tout en notre faveur. Hein. Je me suis fait éclater mon Nevsky Xianyu qui allait en chemin pour rejoindre un rallye. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que j'évite de couper les territoires ennemis. C'est quand il revenait, c'est sûr. C'est quand il revenait, puisqu'il y a le rapport de guerre en 2 minutes, celui-là, qui est le nôtre, dans un rallye que j'ai rempli. Si on regarde, ça devait être, ben, ça devait être que ça. Hein. Alors que de l'autre côté, je me suis bien fait péter la boue en essayant de revenir et ramener ma troupe. Et pour ceux qui se le demandent donc, quel est l'équipement de mon Xianyu et de mon Nevsky, il est pas mal, il est pas ouf, mais il est pas mal. Hein. J'ai la fierté de Khan en critique, j'ai
l'armure lourde du désert avec un iconique. J'ai les contrôles de Navarre, j'ai les cendres de l'aube, j'ai un anneau de damnation et j'ai les bottes du désert infernal. Bref, du bon stuff. Voilà où on est, mon KVK, au moment du record. Ça se passe bien. C'est de la guerre. Vous m'avez demandé des vidéos de guerre. Eh bien, c'est le cas avec celle-là. J'essaierai de vous en faire d'autres, de vous montrer l'avancée. J'aurais bien renforcé là, mais il n'y a plus que 100 000. Allez, on va quand même remplir à 100 000. Et pour le coup, allez, je peux envoyer du T5. Il n'y a pas de problème. Pour 100 000, c'est pas bien grave. Quand ici, il y a de la place qui se libère, je renforcerai plus. Et on va essayer d'attaquer une ville perdue au milieu de tout. Ça, il s'est déjà fait éclater, à mon avis. Donc, il n'y a pas grand-chose à prendre de plus, ni beaucoup de blessés à faire en plus. Et d'ailleurs, en parlant de blessés, regardez, je vous avais dit, j'étais un petit peu plus de 2 millions et on va tenter de monter. Mais bon, on va monter davantage, mais c'est laborieux. Je suis à 2 millions 2. On va tenter d'atteindre aujourd'hui les 5 millions et dans les jours qui viennent, dépasser les 10. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.